Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Mensonge. Catherine a dit qu'elle vous enfermerait dans une boîte si vous continuez à jacasser comme ça. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Je fous la merde. Really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. Un mensonge marche. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Je suis là pour le poster de Grimm. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Ok. Vous avez encore le poster, n'est-ce pas? It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Vous avez donné qui est Nell? She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. C'est donc elle. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer too. C'est gentil de m'avoir informé que c'était dans ton bureau. Alors, elle a l'air moins envahissante. I don't have time for Grimm, even when I'm not working doubles. Alors, parlons d'autre chose. Fine by me. Parce que je pense que je vais aller lui voler son poster et aller le vendre moi-même pour récupérer l'argent. Parlez-moi de votre collègue qui a disparu. Braxton. On va peut-être pouvoir faire la quête en même temps. Fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. Là aussi, ils font des tumeurs sur... pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Finira bien par revenir, on ne peut pas contraindre la liberté de quelqu'un. Si vous le dites. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. C'est pas le mec qui... Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Vous avez dit que Braxton volait des médicaments? Stealing such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the spacer's choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the salt tuna, fat and mostly tumor-free. Ok, bah il est bon. Qui est cette Catherine dont vous parliez de quand je suis arrivé? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most things that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like je a ground con, six je l'ai vu mais je me rappelais plus de son nom. Qu'est-ce qui se passe avec votre chef d'équipe? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. Oui. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Je parlais à Caleb de votre part. Il n'y a pas moyen de les faire revenir? Not on Monarch. Sanjar threw out the old work mandates and penalties. C'est plutôt positif, non? Sure. Until your workers start making ridiculous demands. Ok. Je peux parler à Caleb de votre part. You mind slapping him around a little while you're at it? Ça fait toujours un peu de d'XP. I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. Ça dépend s'il laisse deux mains au moins. Work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Ok, ça nous fait pas mal de missions. Parlons un peu de Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to... Ok, d'accord. Pourquoi ne pas, vous pouvez pas lui donner une augmentation? I don't have the bits for it. Ok. Besides, if I make an exception for... Ouais, vas-y. Travailler dur, non, hard workers? They turn dials and flip switches. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. I'll wait those folks that maintain the mechanicals decently. Caleb and his crew have a better... If Caleb... Ouais, allez, vas-y, on va le convaincre. Allez, vas-y. Fine by me. Au revoir, on parlera plus tard. On parlera à Caleb si jamais il y a besoin de revenir la voir. Je veux aller voler d'abord son truc. Et voir si je peux le faire. Oh, une bille. Non, vodka spectre. Où est-ce qu'est son bureau? Il y a un truc au-dessus? Ah non, c'est un... Où je trouve son bureau? Il doit être au-dessus.
Ici. Alors, voyons voir. Je peux le crocheter. Boum. Poster. If it isn't the famous hacker, what can I do? Vous avez dit que vous avez du mal. Graham's all at me. Bah. Ok, je peux pas lui revendre. Ah, je suis obligé de le rendre à Grim. Mais c'est dégueulasse, je pensais que je pouvais arnaquer le truc et puis. Ah merde, bon bah je vais lui rendre à Grim. Puisque c'est comme ça. Have you had time to check on that poster? Oui, je l'ai. Tiens, prends ton poster. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. Génial. Can't thank you enough. Me remercie pas, je t'ai pourri. You have the bits I was gonna spend at the bar this week. Avec ton boss. You know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Mais t'es pas obligé de me refiler tes merdes. Tu pouvais la garder. Les malheurs de Grimbo. Et si c'est quoi? Pourquoi il m'en lance sur cette quête? Informateur. 43 mètres. Ah oui, non, il me fait sortir. Grand vide. Il faut que j'aille parler à Caleb pour l'autre. Caleb, il est au-dessus. Ah, pousse-toi. Sauvegarder. Caleb. Ah bah tiens, c'était lui qu'on avait vu au début. Je lui avais pas parlé, mais... Qu'est-ce que ça peut vous faire? Nothing at all. Just like to be friendly like with newcomers. It's the MSI way. Ça se tient, capitaine Hawthorn de l'imposteur. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair? T'es plutôt sympathique. And revel with us. By the smell, he's been reveling enough for you both already. Qu'est-ce que vous fêtez? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Si t'as plus d'argent, comment tu vas faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas avoir des ennuis pour ça? I don't see how. When Sanjar took over MSI, he tossed all the old corporate rules. We ain't required no more to work whatever job the company demands. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas, but that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. On doit parler de Velma, justement. Sure thing. What did you want to discuss? Ah, mensonge, je peux pas... Ah, putain de merde. Et je viens de dépenser mes trucs pour rien. Oh, mais je suis con, bordel. Mensonge, en plus, j'aurais pu le monter facilement. J'aurais pu le monter... Bon, bah... Je vais charger. Sanjar va devoir virer Velma si vous ne retournez pas au travail. I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. Et voilà, facile, convaincre. Boum, boum, boum. Maintenant, je vais aller voir Velma, je vais lui dire, hey, easy. Faire le meilleur monteur. Je vais pas monter la persuasion et l'intimidation. Je vais faire Narm Seroche, combattant, enfin sniper, contrebandier, menteur, ninja de l'espace. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbow. Gosh, this old girl's in a rough way. Even old Bess in Edgewater was in better shape than you. Hey, you want to try running a cannery with obsolete machinery? Okay. Sorry, ma'am, I wasn't trying to be rude. It's just tout d'un coup, c'est... your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh, I see what you're saying. Huh. I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? C'était génial, cette conversation. Parlons un peu de... Caleb. You knocked any sense into him yet? Oui, je lui ai dit que vous alliez perdre votre travail, il a dit qu'il reviendrait. Well, that's... awful nice of him.
Sure wouldn't have expected that. Tu vois, tu devrais faire un petit effort. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Tu m'as donné une partie de ton salaire. Something else on your mind? Là là. Allez, parlez plus tard. Du coup, maintenant, Brax. Peuple caché à l'appartement de Brightstone. J'essaie de faire ces quêtes-là parce que sont... c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus captivant. Faire les allers-retours pour les problèmes qu'il y a dans le à Monarch Stellar. Et puis ça me permet de monter ma répute. Celle-là, je pense que ce sera peut-être plus intéressante. À voir, à voir, à voir, à voir. Bonjour. Vous n'êtes pas... You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Mais je cherche Braxton. Vous l'avez vu. Vous n'êtes pas lui. Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you. Sorry. Dilated pupils, anxious posture, muscle spasms. Sous drogue. She's high on some quality stuff. No. Okay. Maybe just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptodons outside, you know. Et pour ce, pourquoi t'es dans son appartement? Alors vous connaissez bien Braxton, où est-il? Oh damn! He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. Oh oh. So maybe look for him there. Il est peut-être mort. C'est tout ce que je voulais. Je laisse continuer à fouiller dans l'appartement. J'espère qu'il va bien, bah j'espère aussi. Ah, attendez, il y a un texte. Je dépose un kit de premier secours chez les Matters dans les vieilles ruines au sud de Stellar Bay. Je reviens vite. Laura, je sais que tu lis ce message, ne touche pas à mes affaires. Trop tard. Ok, donc là c'est en dehors de la ville. Là c'est sympa là. Plutôt que les histoires de cul à droite à gauche. Lydia est sans nouvelles de son agent, il y avait ça aussi en ville. J'essaie de rassembler les quêtes, c'était au nord. Ça c'est vraiment un truc que qui est dommage dans le jeu, c'est de vraiment pas avoir plusieurs quêtes qui s'affichent. On est obligé de revenir 30 fois au journal. Par là peut-être. Non. Peut-être par l'intérieur de, du truc de sauton. 45 mètres. Ouais, ça a l'air d'être ça. Attends, ici. Ici. Attention. Ok. Ah ah, il y a un truc derrière. Oh, merde. Sous-traitant de ce... Oh oh. Oh, ça pue du cul. Tenue de protection, par contre, ça pue moins du cul. Fais voir ta tenue. 10 compétences de dialogue. Oh, ça lui va mieux. Oh, c'est tellement mieux. Classe. Je vais te mettre plutôt ça sur l'autre costume. Faudra que je le recycle, par contre. Syndicat. Transition vers ruine de Stellar Bay. Allez voir Catherine. Faut pas que j'aille là? Vers ruine, ruine, ruine sud de Stellar Bay. Donc ça, je pense que les ruines de Stellar Bay, ça doit être juste cette partie-là. J'aurais tendance à dire. Allez voir Catherine. Attendez. Venez me poser à ce bled à Catherine. Mais Catherine, c'est celle qui... C'est la chef de Sublight. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ah mais elle est ici. Bolt, ça c'est local par contre. Ok, donc on va passer d'abord sur ça. Je vais pas prendre ce passage du coup. À mon avis, c'est un raccourci pour aller vers Catherine. J'aurais tendance à dire. Mais comme je ne suis pas certain, je préfère le laisser là pour le moment. Et en plus, pourquoi il me met... Non, il me fait sortir. Pourtant, je pouvais pas voir à l'extérieur. Bon bah, go. Pas clair, ça. Sacrée ambiance, ici. Oh la vache. Ouh. C'est pas risqué ici quand même. Parce que... You reckon the smell ever goes away? Maybe the wind off the sea helps. C'est sûr. Attends. M. Non, c'est ici.
Ok, donc je peux faire ça et je peux faire l'autre, retrouver Braxton au sud. Est-ce qu'il y a du méchant ici? Oui, il y a du méchant. Oh ben non, c'est des petits raptis dont chasseurs, c'est mignon ça. Pourquoi t'as peur toi? Viens ici. Ah oui, du coup, comme j'ai monté le menton... Oh, 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 oh. J'avais carrément pas vu toi. Comme j'ai monté le mensonge, c'est les bestioles qui vont être paniquées. J'aurais peut-être dû monter plutôt la persuasion. Ouf, qu'importe. Viande de raptidon. Où est-ce que t'es? Oh. Oh, 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 je te vois. Et boum. Attention. Oh, 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 toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu. Oh la vache, elle est déjà morte. Toi d'abord, il est où l'autre? Ici. Pas mort? Si si, il est mort. Je sais jamais s'ils sont morts ces enfoirés. Ouais. Ils couinent pas assez fort quand ils meurent. Il y a encore des bestioles là. Raté. Crève, crève. Lui ou l'autre. Wow, il est caché. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est corrosif. Non, c'est bon. Ah la vache, je peux pas arrêter le truc. Comment je fais? Oh putain, la vache, c'est bon. Le stress. Bah, peut-être que je rajoute une mire télescopique sur celui-là. Ouais, c'est bon. Je commence à un peu mieux vraiment gérer les combats. C'est vraiment, faut faire un mix de furtivité, attaque furtive, tuer rapidement les ennemis et rester furtif. Et il y a une autre bestiole. C'est une maman ça. Et un mix avec le... Ah non, te mets pas devant. Allez, charge. Ah, j'ai fait recul. Ah, bordel. Et de faire le DTT en fait. Un mix entre les deux. Aïe aïe aïe. Wow 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 wow. Punaise. Qu'est-ce qui pique? Oh. J'entends les bestioles à l'intérieur. Non? Ça respire pourtant. Consulter les évaluations. Chargement document. Sanjar a la mauvaise habitude de remplir ses rapports de chiffres et de statistiques. N'est pas très doué avec les slogans, jingles et ou accroches. Ses présentations ont tendance à être barbantes et manquent souvent d'émotions et de références drôles. Sanjar présente également une tendance à faire du travail plutôt qu'à le déléguer. Habitude peut appropriée à un poste de direction élevé. Enfin, les habitudes de travail de Sanjar montrent un certain intérêt pour les détails et un surprenant manque de vision globale. Nous ne le recommandons pas pour un poste supérieur. Il a menti. Amélioration nécessaire dans les domaines suivants. Communication interpersonnelle. Concision, délégation, inventivité. En gros tout quoi. Gramme. Piratage. La compréhension du discours et de la marque du produit de Gramme est impressionnante. Surtout pour un rédacteur relativement inexpérimenté. Aime particulièrement les slogans et les accroches. Cependant, Gramme a des problèmes de concision et se montre constamment négligent avec les polices et les formats requis. Ah, c'est ce qu'il disait, qu'il avait des problèmes pour tout ce qui était administratif. Recommandé pour supervision approfondie. Erickson Dora. Dora démontre un réel intérêt pour les présentations courtes mais intéressantes, agrémentées de slogans accrocheurs. Recommandé pour une promotion. Supprimer tous. C'est pour ça qu'il veut pas que ça se sache. Je sais pas si je supprime. Ça peut être un bon moyen de le faire chanter. C'est pour ça qu'il voulait pas que ça se sache. Je vais pas le supprimer.
Et je vais pas le supprimer parce que ça me fait un moyen de pression au cas où. Combinaison. Allez, prends la combinaison. Non. Grenier quoi, un rapidon. Get away. J'adore. You should have kidney, c'est tout. À qui ai-je l'honneur? Oh, thank the eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here and a mad queen showed up. Then Raptodon, it was a void blast mess. I ran in here and now the door's locked. Little help? Oh. Une montre régalienne, vu les engins, on les a pas encore croisés, hein, mais vu l'engin que c'était sur les dessins, j'ai pas envie de la rencontrer. Je n'ai pas le choix, il faut absolument que je rentre là-dedans. Thanks, mister. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Ah, l'enfoiré. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Si puisque vous n'avez rien de mieux à faire, vous ne verrez pas d'inconvénient à répondre à quelques questions. Sure. Beats not answering questions. Qui êtes-vous? Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Iconoclast. C'est encore une autre faction. I'm sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Parlez-moi des iconoclastes. Oh, that'd be my people. Graham and Zora and Milton and I really miss them. You gonna let me out of here? I want to get back to Amber Heights. Ah bah donc c'est ça, c'est Graham, il est fait partie des iconoclastes, donc c'est ceux qui sont contre monarchie machin, enfin les monarques, l'entreprise. Dites-moi, ça vous arrive souvent de finir au placard? Je suis pas sûr. Attendez, vous êtes sérieuse? Je vous taquinais. Je cherche un Bolt 52, vous en avez vu dans le coin? Ok. Bon bah pour revenir à la porte. Il est mort. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir de l'intérieur, non? Persuasion, perspicacité. Ne laissez pas abattre, bientôt vous sortirez ici, nous changeons une bonne poignée de main. J'entends bien, mais essayons plutôt la poignée, tournez-la vers le haut et... Thank you so much. It was getting all stuffy in there and I was getting a mite lightheaded and I think maybe I was gonna die. J'espère que je vais pas tomber par contre sur la montre régalienne. I'm headed back to Amber Heights. Mais je pense que ça va pas y couper. Votre compte est bon après tous les ennuis vous avez. En général quand on donne un coup de main à quelqu'un, on a le droit à une récompense. But I ain't got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and respect? Mais ça me suffit pas. À la minute où je vous ai sauvé, vous vous êtes engagé dans un contrat non négociable. J'exige ma récompense sur le champ. Ah, shit. I wouldn't have agreed to be saved if I'd known that. All right, here. Excellente initiative. Cassez-vous. Yes, sir. Allez, du vent. Par contre, j'espère que t'as pas piqué. Non, c'est bon. Mais du coup, je sais pas si je vais l'aider. S'ils sont venus là... C'est peut-être pour récupérer ça aussi pour Graham, non? Parce que le cadavre de l'autre, on va le trouver quelque... Ah bah il est là. On en parlait. Il est là, pépère. Ça me fait douloureux, mais en fait... Ça sert à rien. Tu vois, armure plombée? Oh! Sympa cette armure aussi. Dommage qu'elle soit un peu mauvaise. Par contre, je vais la mettre sur Ellie. Non, pas sur Ellie, sur Parvati. Arme à deux mains... Ah, c'est ça, peut-être mieux pour elle d'ailleurs. Touk. Oh yes. Oh, ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. C'est génial.
I'm ready. Merde, je n'ai pas pu la sniper. Côté mort. Ouais. Non, c'est bien. J'ai bien fait changer le viseur. Ça va être beaucoup mieux là. Meilleure portée. Et quand ils sont au corps à corps, je retire le viseur. Je me mets en mode tir à l'arrache quoi. Là il n'y a personne. Ici alors? Transition. On sauvegarde avant. Bon, je sais pas ce qu'on y trouve dedans. Tac. Je suis prêt. Bonjour, messieurs, dames. What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. T'avais des bestioles d'or. Any stranger this friendly either wants to rob an airlock or sell you something. C'est marrant, j'étais en train de me dire la même chose. Out here in the wilderness, we welcome all who come to our door. Now come in, make yourselves comfortable. Je cherche un homme du nom de Braxton. Apparemment, il serait venu ici. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptodons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Je sais pas pourquoi je sens que je suis tombé sur la famille de cannibales du coin. Ce serait bien un truc comme ça. Vous êtes sûr de ne pas avoir vu Braxton? On m'a dit qu'il était venu vous livrer des médicaments. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Je sens que c'est une famille de cannibales. Non. Je sauvegarde et je vous défonce. Tais-toi. Couché. Couché, Edgar. Tu es la famille Wester, tiens. Voilà. Y'a encore quelqu'un? Ah mais attends, il y avait encore... T'es encore en vie, toi? Voilà. Clé de la maison. Je n'ai absolument pas confiance en vous. La la la. Je sens les psychopathes. Aha. Peuple caché. Oh non. Non, 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 non. Je l'avais dit. Non, Edge Braxton, expert en santé Itchien. Si vous trouvez ceci, merci de le remettre à Ballard, Velma ou au responsable actuel de la poissonnerie et Messi. J'avais tellement... Ça sentait... Ça puait. Quand t'arrives dans un jeu vidéo, que les mecs sont entourés de bestioles, de maraudeurs et de toutes les saloperies possibles, et que le gars t'accueille à bras ouverts, tout souriant en te disant « Fais comme chez toi, viens, on va dîner », ça sent, de toute façon, à chaque fois, le gros cannibale. Alors, Cascadia, Fallbrook, Amber 8. On peut aller jusqu'à Amber 8 hein? Et donc rencontrer l'autre faction, du coup. Ok. Il va falloir passer toutes les créatures dans la route. Coucou. Ah, cette fois, il y a des maraudeurs. Boum, headshot. Mais meurs. Voilà. Par contre, dis donc. Niveau furtivité, c'est pas la joie. Parce que les autres, quand je tirais avec mes armes, je pouvais directement les avoir en furtif. Ils me voyaient pas tout de suite. Et là, par contre, quand je tire avec mon arme à énergie, tout de suite, ils me repèrent, les mecs. J'ai quand même bien fait de garder cette arme. Oh, 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 oh. Mais saloperie. Ces saloperies qui viennent s'inviter là. Mais qu'est-ce que t'as couidé? T'arrives rien, ma grande. Et là-bas, ils sont retournés tranquilles. Bing! Hop, hop, hop.
Merde. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Pourquoi il y a part tout le temps au corps à corps, ça a pas de sens. Elle a plus de munitions. J'espère par contre que c'est pas lié à mes munitions, hein, ces munitions. Ça m'emmerderait fortement. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Oui, j'entends des bestioles. Quelle idée, Alpha. Bourrinator, c'est moi. Oh, aucune chance, ils avaient aucune chance. Allez, vendre. Ça, je revends, comme ça je fais de la place. Is there the best choice? Blablabla. Et special choice. Special choice, en fait, c'est une marque, mais c'est vrai que c'est... des fois c'est incompréhensible. Tu trouves special choice dans des endroits les plus inappropriés. Ici, c'est quand même une autre marque qui domine, mais on trouve encore des trucs de special choice. C'est comique. Y'a moyen de rentrer là-dedans? Ah non, c'est scellé ici. Ah ah. C'est scellé, ce qui veut dire. Ruine de Bayside Terrace. On doit pouvoir rentrer dedans. Mais pas pour l'instant. Ah. Ça sent la. Ah, je sais, ça doit être une ville de maraudeurs, non? C'est scellé l'intérieur, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un autre accès pour y aller. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Est-ce qu'on peut trouver un autre accès? Par là, peut-être? Je sais que j'ai pas besoin d'y aller ici. Mais vu que c'est scellé, quand ils mettent que c'est scellé, ça veut dire qu'il y a un autre accès. Puisque normalement, quand c'est scellé, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte de l'intérieur. Il y a peut-être des maraudeurs ici. Là, je vois là, un trou comme ça, ça sent le maraudeur. Le trou de sniper. Entrepôt de Bayside. Il n'y avait pas une histoire avec l'entrepôt? Je crois qu'il y avait une histoire avec un entrepôt. Quelqu'un ici? C'est vrai que j'allais discrètement puisque visiblement en furtivité ça... Je sais toujours pas comment foutre le, d'ailleurs le silencieux sur le sniper du début, j'aurais dû le garder. Encore une fois, hein, je regarde régulièrement mais c'est juste... Je vais peut-être regarder par le dessus là. J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment. On a peut-être moyen d'avoir la vue sur l'entrée. Coucou. Quelqu'un? Personne? Hop hop hop, si. Boom, headshot. Bouge pas, bouge pas. Ah, il est coincé. Go 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 go. Oh la vache. Ça remonte pas vite ma santé là, c'est quoi ce délire? Quoi ma vie? Avant je remontais bien plus vite. Ah, j'ai pas fait gaffe, quand on est en combat on remonte moins vite la santé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Du stuff, du stuff. Ouh, je suis tombé sur un trésor. Oh, tac, tac, tac. On a des trucs. Attends, crocheté. Eh ben dis donc, ici ils avaient beaucoup d'argent. Attends, je vais prendre ça aussi. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle arme. Fusil de chasse ultra. Voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. Modificateur. Canon. Je vais pouvoir me faire dégâts 204. Taille du chargeur lourde. Je vais pouvoir me faire un sniper avec ça. Ici, il y a un autre truc. Mais c'est pareil, j'ai rien qui m'amène. Amber 8. Ah, oh, c'est Amber 8. C'est là où il y a l'autre faction, les iconoclastes. C'est bleu. Je peux l'utiliser? Peut-être que je peux voir Graham. Et du coup lui dire, hé, hey, mec, j'ai des infos. Ah ah, j'enregistre et on y va. Yes. Bonjour. Tu... Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. Quel chapeau. Please, take a pamphlet. Intéressant. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths,
and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Whoa. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Oh merde. Qui sont les iconoclastes? Why, we're the only free people in Halcyon. Non, il y a moi aussi. No corporations, no shackles, no problems. Pas de problème, mais que faites-vous des raptidons et des maraudeurs? Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Tu parles de liberté? Je cherche juste du travail. Vous avez un patron, un chef ou quelque chose dans ce goût-là? Oh, sure. Graham's our founder. He taught us how to cut our own path in the wilderness. And I guess some folk have started following Zora's orders. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Il y a du drama au sein des iconoclastes. Parlez-moi de Graham. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Ils sont libres ou c'est une secte, ça? She's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Ok. Où puis-je les trouver? Graham's place is in the large building straight back. Thora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Pourquoi vous êtes installé ici, Pasteur Gerbet? On sait pourquoi. À la prochaine. Alors... Seems like a nice little town. Except for all the dead critters. Supplies. Mis à part aussi... Que ça a l'air pauvre. Liste de demandes. Bronson note toutes les demandes d'équipement qui changent. Zora, gel liquide de force. Chasseur de dissidents, exclave. Ok. Bronson. Et révolutionnaire iconoclaste. Ok. Établi. Ah, bah établi. Où ça? Ah, ici. Cool. Démanteler. Attendez, bricolage. Déjà, on va monter. Dung. Dung. Je peux pas le monter plus. Parfait. Et on va lui mettre, du coup, sur le canon. Silencieux. Cool. Donc ça va pouvoir me faire mon arme de silencieux. Attendez. I can take a hint. Je vais vérifier. Faudrait que je monte mon truc de... Boum. Mais non, ils m'ont entendu. Mais c'est surtout les mecs qui te voient direct. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, quand on tue un gars, même si je suis genre super furtif et que je le tue dans un coin... Ouais, c'est ça. Comme ça t'indique que tu perds de la répute avec eux. C'est bizarre, c'est tellement bizarre.